acheter licorne black, comme Black M, hein, qui n'est pas black, parce qu'il est... Il est amérindien. Amérindien. Et acheter des Pimps. Ouais. Parce que c'est... Mais évidemment, ces fameux amérindiens de la Creuse. Et est-ce que les Pimps, c'est délicieux? Oui, regarde. C'est affreusement répugnant. Ah, je te jure! Fais pareil avec la licorne. Oh. J'aime ça. Oh, regardez, vous avez vu, il y avait notre chère amie Miss Marvel. Regardez, qu'est-ce qu'elle est... Elle prend un selfie et tout. Regardez, là, elle est trop classe. Et regardez, là, elle tape du poing. Et regardez, et là, on voit son anatomie. Ouais, c'est chelou. Bon, bref. Est-ce qu'on peut revoir l'autre? Ouais, bon, il y a Bucky, hein. Et Bucky, arrête de voler la vedette. T'as eu le droit à ton film. Merde, hein. Ton film dans le MCU, faut arrêter de voler un peu la vedette à tout le monde, hein, moi j'ai envie de dire. Bon, Thanos, tu viens d'avoir exactement justement ton film, toi aussi. À un moment donné, ça suffit les conneries, hein, bon. Ah là là, Mamadou, il va pas être content. Voilà, Mamadou content, Jersey. Donc, je vais vous faire la campagne et tout le tralala, voilà, de la perle de Jersey éclat de Miss Marvel. Je veux vous faire ça, mais d'abord, quelques petites choses. Alors déjà, bon, vous avez vu la durée, on est d'accord, alors événement, on va faire les différents trucs. Donc, mais Miss Marvel, ça finit dans 13 jours, ça veut dire que ça vient à peine d'être lancé, ça dure toujours 14 jours, et je l'ai déjà débloqué. Oui, alors vous allez peut-être pas me croire, mais en fait c'est assez simple, vu qu'elle a seulement 15 éclats pour débloquer. Mais d'abord, je vais aller faire une petite jour de paix, voilà, de paix, voilà. Parfait, la dernière, je suis allé voir, les mains dans le dos, allez, vas-y, on y va même, les mains dans le slip boulot. Bonjour, non, par contre, faut arrêter de déconner, voilà, Deadpool, hein. À un moment donné, il me faut Deadpool, je sais pas si je vais m'en sortir pour celle-là, hein, souhaitez-moi bonne chance, bordel de merde. Ah, bordel de merde, pourquoi je prends la voix d'Henry Cartman? Ouais, Rick Cartman, il a cette voix maintenant. C'est Eddie McCartman. C'est Eddie Murphy. Et ça, on a incarné Henry Rick Cartman. C'est Eddie Cartman. Et Rick Murphy. Eh, ça sonne bien en plus, hein. Ouais, j'essaie de vous le maintenir. J'avais pas envie de me faire chier. J'ai mal au crâne aujourd'hui. J'ai dormi que 6 heures. Donc, je vous fais juste ça vite fait. Le reste, je ferai une autre fois. J'ai déjà commencé à tourner le début de Monkey Island, j'ai tourné, mais pas assez pour faire déjà la première vidéo. J'ai tourné tard le soir, donc vous savez que quand je tourne tard le soir, on m'entend très peu. Voilà, on m'entend à peine chuchoter. C'est un peu comme Murphy, tu vois, si vous voyez dans Rayman 2. C'est qui fait... Non, j'espère quand même qu'on m'entend mieux que dans le Games Horror Show sur Resident Evil 2. Hein. Je sais pas si Steve l'a vu, celui-là. Bon, d'ailleurs, en parlant de Steve, en ce moment, il a ses petits problèmes de famille. Je sais pas s'il sera de retour au moment où cette vidéo sortira. Mais voilà, en ce moment, c'est pas forcément la meilleure des trucs. Quoique, ça s'arrange un peu pour lui. Visiblement, il a fait un grand pas. Là, vous vous dites, mais de quoi il parle? Ben, genre, je vous... c'est le teasing, tu vois, c'est du gros teasing, hein, voilà, Je vous arnaque, hein, je vous fais du gros teasing, mais en fait je vais rien dire de plus. Pour la simple et bonne raison que si il veut le dire, Steve vous le dira. Voilà. C'est pas à moi de vous le dire. Je vous fais juste un petit teasing sans rien vous dire. Tu vois, un peu comme toutes ces critiques sans spoil sur les films où tu te demandes mais à quoi ça sert. Parce que franchement ça c'est de la critique de confiance et... Oh mais le film il est bien, voilà. Allez-y. Voilà. Faites-moi confiance, hein, il est bien. Souvent, je suis déçu, en fait. C'est ce qu'ils m'ont dit pour Skyfall, pour Spectre, pour Black Panther, pour trop de films. Pour trop de films. Bordel de merde, mon enfance est gâchée. Mamadou Segba, ta-da-na-na-na-na-na. Dans la cour des grands, il y a des enfants et des chinois. C'était pas joli à voir. Mais on alors...
Ouais, on a peut-être l'or des pauvres, mais on aura l'art des braves. Je raconte peut-être un peu de la merde. Ouais, allez, vas-y, on y va. Ça, c'est du jour de paix. Alors, maintenant, je vais vous imiter un signe en attendant que ça arrive. Regardez. Ça, c'est un signe qui a le cancer. Mais le cancer qui a un signe, c'est comme ça. C'est... J'ai un signe. Oh, mon Dieu, c'est Dieu. Oui, oui, mon enfant. Tu dois répandre la... Ah, c'est bon, c'est bon. Ah ben, la suite on peut pas faire, c'est con, j'ai pas 3 étoiles pour chacun de mes mercenaires. J'ai autre chose à foutre parce que honnêtement, à part Bullseye et Deadpool, niveau mercenaire intéressant, et il y a peut-être aussi Korat le poursuiveur, mais voilà, il y en a pas tant que ça. Alors les boutiques, je vais faire déjà un tour au niveau des boutiques, parce que visiblement j'ai de nouveaux trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ah, j'ai de l'or, des montagnes d'or. Allez, vas-y, mets l'or. Allez, à bout de la cagnotte. Allez, Maurice, fais pas ton prude. Voilà, alors, je sais pas si vous voyez, voilà, 100 000. Plus 30 000, plus 30 000. Ça me fait beaucoup d'or. Et putain, j'en ai double en plus. Sérieux, j'en ai double. Et 100 000, plus 42 000 cette fois-ci. Wouah! Eh ben, putain, c'était cool, hein, cette fois-ci. Bon, et allez. Allez, trêve de bavardage, voilà ce que vous attendiez, voilà. Bon, y a rien de nouveau, hein. Scarlet Witch, elle va bien. Et puis, regardez qui c'est que j'ai. Mais oui, c'est Miss Mouville. Regardez, avec ses gros, ses capacités à 2 balles qui servent en fait à rien. Mais ça, vous le verrez juste après. En fait, maintenant. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez vu les petites images. Il y a des trucs assez rigolos dedans. Par exemple, je sais plus, mais à droite, il y a un personnage qui est même pas encore apparu. Au moins un. Ouais, c'est Captain Marvel qui est présent. Et là, t'as le chien, tu sais, des inhumains qu'on verra que Miss Marvel possède, visiblement. Ça va être rigolo. Allez, c'est parti, on va faire en facile. Moi, j'avais fait en normal et aussi en difficile, un peu, ouais. Je fais les 3 premiers en difficile parce que moi, je suis comme ça. Allez, on va faire ça, on va faire la petite campagne. Alors, je suis au courant de rien, comme j'ai rien lu pour la campagne. Allez, mon grand, voilà notre chance. Ouf. C'est qui parle? Le monde, c'est le chien. Voilà. Une horde de monstruosité. Et pourquoi t'as piqué le chien aux inhumains? Je sais que t'es une inhumaine, mais c'est pas une raison, putain. Hein? Jersey. Donc elle vient du New Jersey. Je vois, je pense comme dans le South Park, hein, ceux qui viennent du New Jersey. Ah, ça se trouve, elle vient de Jersey, la base. Parce que New Jersey, ça veut dire qu'il y a une Jersey de base, normalement, je crois que ça, c'est en Angleterre. C'est comme New York. New York, New York, bon. Non, mais à chaque fois, je suis en train d'imaginer les gens de New Jersey. Avec l'accent, avec le comportement, comme c'était montré dans South Park. C'est sympa, ce petit cliché. Ok, dégage de cette épicerie. On n'est pas dans une épicerie. À la limite, on est à l'extérieur, mais à l'extérieur, c'est pas dans l'épicerie. Tu peux rien dire au monsieur, hein. Voilà, limite, il peut appeler la police, hein. Pour tes conneries, hein. Faut arrêter, hein, à un moment d'abuser, hein. Moi, en ce moment, ce qui est chiant, c'est que la tablette arrête pas de putain de planter. Lors des raids, lors des trucs comme ça, ce qui m'énerve, parce que ça me donne pas envie de les continuer, ces putains de raids. Quand t'es obligé de refaire le même plusieurs fois parce que putain ça. Parce que quand ça veut pas, c'est un peu chiant. Donc elle peut frapper plusieurs ennemis à la fois. Ah, j'ai pas tapé le bon. Autant pour moi. Voilà. Putain, il en arrive plus les jours. Elle peut se soigner elle-même sans rapporter de bonus spécifique. Et taper juste un seul ennemi. Et donner du bonus aux inhumains. Hein. Ah, l'inhumaine plutôt, vu qu'il n'y a qu'une seule autre inhumaine, normalement c'est Quake, hein. C'est comme les mutants, il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas pour le moment. Ouais, c'est pauvre, hein.
Même Scarlet Witch n'est pas classée comme mutante. Normalement, c'en est une, fille de Magneto, hein. À moins que j'ai fumé. Ce qui est chiant, c'est que la première fois, j'avais eu l'attaque combinée entre Iron Man et Captain America. Ce qui était honnêtement très cool, putain. C'est dommage que je l'ai plus. Je sais pas si je l'aurai à nouveau. Ouais, ils peuvent avoir une attaque combinée, mais visiblement, c'est pas à coup sûr, hein. Voilà, Black Widow. On a plusieurs personnages, là. On a Black Widow, compagnie, voilà, voilà. Bonjour, la mouche. Ah, c'est dommage. C'était super classe, hein, de les voir agir ensemble, hein, nos chers amis. Bon, vas-y. Hop, c'est bon, c'est fini. Donc, on a été aidé par les Avengers. Ça sera dans ma prochaine nouvelle, clairement. Waf. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? Ils sont même pas fait chier à lui faire un petit skin, alors que pourtant il y en a un, comme on voit dans le truc. C'est... Oh putain, les gros flemmards, quoi. Bon, au moins, on a pu voir un peu les Avengers en action. Même si on n'a pas vu la compétence spéciale. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu, même quand c'était Camp Ennemi. Je sais plus. Si, je crois qu'on l'avait vu quand c'était Captain America et Tony Stark, qui nous avaient foutu une branlée une fois, justement, avec cette technique. Ultime qu'ils ont que quand ils sont ensemble, eux deux. Ouais, il y a plusieurs techniques comme ça dans le jeu. Voilà. Où il faut un ensemble, il faut un duo spécifique pour niquer. Bon. Allez, après la horde de Jersey, on va faire l'anomalie. Allez, vas-y, c'est parti, mon kiki. Je ferai des petites coupures, hein, ne vous en faites pas. Donc, cette fois-ci, on va aller aider, comme New York, c'est à côté, Jessica Jones et je pense les défenseurs aussi. Defenders, ouais, pour lui, c'est cool à Jersey. Je leur envoie une équipe du strike pour t'aider. Attends qu'on paie la prime et la découverte, tout ma vie. Ah, Jessica. Bonjour les mouches aussi. Donc voilà, ça ce sera notre équipe du jour. On va voir un peu Iron Fist. Ah, il colle bien, oui, parce qu'on peut prendre que des personnages gentils, je crois, et de ville. De ville, ça c'est sûr. Ouais, ouais. On peut pas prendre des mondiaux, ouais. Que là, on est à New Jersey, donc il faut pas déconner, il faut y aller. Donc on a Punisher qui est de ville, on a infirmière de nuit, on a Jessica. En plus, c'est vrai, j'ai Jessica là dans le truc. Ça correspond bien au fait qu'elle causait, hein. Ah putain, il y a une fille déguisée qui défend l'anomalie contre les extraterrestres. Et pour une fois, ça correspond super bien, hein, le fait que j'ai Jessica. Pas un déguisement, je suis Miss Marvel. Tu m'aides à dégager ces nazes? Ouais, pourquoi pas. Bah, tant que tu me payes du rhum et du bon de Dieu avant d'aller à la maison. Ah non, il y a aussi quand même des méchants vu qu'il y a leur sorceleuse. C'est juste qu'il y a juste ceux de ville. Bon, au moins, on va pouvoir voir Jessica et Iron Fist à l'action. L'infirmière de nuit, je crois que je vous avais déjà un peu montré, je sais plus. Voilà, vous allez voir. Du rhum, des femmes. Ce qui est bien avec Jessica, c'est qu'elle a la technique pour pouvoir nous donner plus d'énergie, on va dire, d'énergie d'action. Ça, c'est le sa seconde action. Ouais, les énergies d'action. C'est sa seconde capacité, je voulais dire. Ce qui fait qu'on peut avoir direct, par exemple, le truc du Punisher, de faire une rafale de balles. Voilà, on l'aura plus rapidement, comme elle nous aura restauré les trucs. Voilà. Voilà, des points d'énergie. Ça, c'est une capacité que je trouve super cool, personnellement. Ouais, je trouve Jessica, même Jessica et Iron Fist, je les trouve plus utiles que Miss Marvel, où je trouve que ses capacités sont vraiment pas grandioses. Hein, profitez, parce que je la réutiliserai pas, hein, après cette campagne. Hein. Il y a tellement d'autres personnages qui ont des meilleures capacités. C'est comme Scarlet Witch, où je trouve que c'est pas vraiment génial, donc c'est pas vraiment un personnage que je réutiliserai. Youhou, plan ça, la bande à blaireau. Non, on dit la bande à badaud. La bande à Renault. Ah, bah tant qu'il est hors portée des méchants, allez, on y va. Je suis un peu... Hey, on dirait qu'il est collé à toi et qu'il est en train de copuler avec ta jambe. Merde. Oh, putain. Ah, bizarro. Comment peux-tu t'en être tiré? Ta-ta-ta-ta, c'est la mise. Ouais, je fais même la musique. Bon, c'est bon, t'as parlé, Jessica, ça va être encore dégénéré, il y a d'autres corrompus qui arrivent.
Des flics encore. Des putains de flics corrompus. Allez, on y va, c'est parti. Oui, vous aurez remarqué que pour une fois, je suis à gauche. Et non pas à droite. Là où il y a le ventilo de mon ordi et tout. Il est en train de monter le Monopoly Hardcore qu'on a fait. Ça va être rigolo. Et je vais faire du révélation après en vidéo. Ouais, je suis à gauche. Ouais, je roule à gauche maintenant. Hein. Comme les Anglais, j'ai décidé de faire chier mon monde. Ah, putain de merde. Ah, l'affaire James Gunn, il y a eu des rebondissements quand même. Hein. Un coup, c'était... Ouais, il y a Kevin Feige qui essaie de le faire venir, puis finalement, il est absent lors des négociations, tu vois, il est ailleurs, puis il y a Marvel qui en négocie pour essayer de garder son script, mais même avec le script gardé, je le regarderai pas au cinéma. Même si j'avais la possibilité. Tu vois. Moi, je boycotte de ce côté-là. Je le prendrais légalement, d'une certaine manière. Ouais, même pas, allez, vas-y, allez vous faire foutre, ça mérite même pas. Je me débrouillerai pour l'avoir de façon gratuite. Hein, chez un ami. Hein, prêté. Bah oui, je fais quand même encore un peu légalement. Bon, allez, vas-y, on va faire en automatique hein, cette fois-ci. Là, c'était pour vous montrer un peu, mais là, on va faire en auto. Hein. En autobus. Mais là, je. Je vous dis, je le regarderai quand même hein, pour voir hein, si ça vaut le coup. Hein. Mais là, je boycotte, hein, c'est pour le renvoi. Hein. Je suis solidaire avec James Gunn. Putain de merde. Parce que je le trouvais super naze. C'est clair que même si j'arrive à faire une carrière dans le cinéma, ça me donne pas envie d'aller bosser pour Disney. J'avais déjà pas envie de base. Mais je me disais, je vais faire des restrictions, voilà, parce que quand même, avec un peu de chance, je peux faire des. Mais là, non, on va te faire foutre. Ah, hein. Non. Bon, après, il n'y a pas tant de séries que ça. C'est con, parce que ça veut dire que je pourrais pas faire de Marvel. C'est con. Parce que j'avais des idées de Marvel, hein, des trucs comme ça. Je ferais du DC, au pire, je ferais du Batman, si ça part pas en couille de ce côté-là. Bon, je pense pas que DC sera racheté par Marvel. Ce sera le pompon, putain de merde. Hein. Encore des troupes de Thémis, bordel de merde. Et Goldor, il arrête pas de changer de nom, putain, ce chien. Un jour c'est Kazar, le truc. Ouais, sur le toit, vas-y. Après, il s'appellera Champignac. On ne comprendra plus rien. Il deviendra le professeur Tournesol. Ouais, bon, comme je disais. Le pire que ce serait, c'est que Disney rachète la Warner et compagnie. Je crois que la Warner, c'est avec DC. C'est DC qui est là, c'est vers le truc. Faut que ça reste. Je veux pas que ça finisse chez Disney. Hein. Ah oui, parce que je voudrais faire, s'il y a bien un truc que je voudrais faire en film, hormis il y a un film d'horreur, il y a plusieurs trucs que je voudrais faire. Un film d'horreur, j'ai déjà toute l'idée. On va tout trouver. Et des films Scooby-Doo, et j'ai déjà trouvé toute l'idée d'un film en animation qui se déroulerait dans un futur proche où le Scooby-Gang est un peu plus vieux, genre 40 ans et tout. Et puis il revisiterait des zones qu'on connaît déjà, comme l'île de Morgan Muscar, les trucs comme ça, pour un dernier road trip, tu vois, pour un petit dernier voyage pour la route, parce que ça leur manque et tout. Et puis retrouverait des personnages des différentes séries. Ouais, des différentes. Hein. Il y aura, par exemple, je pense, l'acteur français, tu vois, de Queen of Scooby-Doo, qui était apparu dans l'épisode de la Gargouille. Ouais, toi, ton boulot, c'est d'aller enquêter. Ouais, et ramener en sécurité, peut-être, je sais pas. T'as payé pour quoi? T'es pas garde du corps non plus, Jessica. Ah, vous aurez remarqué, il y a Okoye, là. Ouais, c'est normalement sa première apparition, j'ai pas fumé. Okoye, pour ceux qui auraient raté, c'était la garde du corps salope de Black Panther, parce qu'elle n'hésitait pas à aller trahir son pays pour un con droit. Ah oui, je dis trahir parce qu'elle trahissait leurs propres principes. Hein. Normalement, elle aurait dû servir le nouveau roi qui avait gagné légitimement sa place, mais non, hein. Salope. Donc elle est présente, ce qui voudrait dire qu'on pourrait sûrement la débloquer un jour. Ouais, bon, c'est pas la priorité, je m'intéresse déjà pas à voir Black Panther, alors la voir elle. Bon, j'essaierai de la voir quand même, parce que j'ai mon côté collection. C'est mon côté collection, j'ai envie de tous les avoir. Je les aurai tous. Ta-da-da-da. Alors, autant des abeilles et des bourdons, j'en vois plus, mais autant des guêpes, il y en a un peu partout maintenant, c'est chaud. Bon, après, ça va, les guêpes aussi aident à la pollinisation, la plupart, donc ça aide. Un chien géant qui téléporte des gens, ouais, j'ai une question. C'est vrai que ce chien était cheaté.
Dommage que la série n'ait pas marché. Hein, j'ai pas regardé pour voir si c'était pourri et tout. Faudrait que je le regarde. Dommage. Même si ça n'a pas marché parce que... Parce que le chien, il était pété. Bien que j'aime pas les chiens. Ah, bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Pfiou, voilà, c'était impossible dans Philippe Leblanc. J'ai pas la référence. Tu vas bien t'entendre. Encore une fois, tu vas t'entendre avec Quake. Elle est où, Quake? Je vais rencontrer Quake. C'est... Ah, bah, on peut pas la prendre. Elle est pas de ville. C'est ballot ça. Bali ballot dans son berceau. Bandé déjà comme un taureau. Ouais, je les connais bien. Ouais, les gars, puis y en a de plus en plus. C'est deux jours. La nuit, c'est les punaises qui viennent voir. Il y a aussi des mouches de temps en temps. Quelques mythes la nuit. On a eu une petite sauterelle aussi, c'était sympa. Ouais, je commence à raconter ma life, ça va. Voilà, ça va. Alors, je disais, bon, donc Scooby-Doo, j'ai plein d'idées. Je pense que Gimme Norton reviendra. Et si je fais un truc Scooby-Doo comme sa animation, on reviendra aux sources, tu vois, de un peu l'île aux zombies, c'est-à-dire avec une ambiance plus sombre. Il y aura des morts, je pense, vraiment dans le temps présent, des cadavres. Bon, leur mort sera pas vue explicite, il n'y aura pas de tête qui coupe, je pense, des trucs comme ça. Mais, tu vois, ce sera, on jouera sur les ombres, sur des trucs comme ça, un peu comme la mort de Clayton dans Tarzan, tu vois, où on voit son ombre, ce genre de trucs. Donc, genre, de telle sorte que ça reste assez tout public, que tu vois, pas trop, voilà, non plus, hein. Bah, je me paye un R17 et tout, oh là là, hein. Miss Marvel, bonjour, je viens t'aider, je suis cheaté. C'est comme ça qu'on appelle des trucs. Il faut trouver Scarlet Witch pour le détacher de toi. Eh, d'accord, mais elle est où? Le baron Mordo l'a banni au royaume des ombres. Je cherche encore à la délivrer, cette princesse. Allez, viens avec moi à l'aventure. On va désenchanter avec Matt Groening. Voilà. Il y a déjà des gens qui critiquent parce qu'il y a des ressemblances, hein, tu vois. Il y a des personnages qui ont des traits qui rappellent. C'est logique, c'est le même truc, hein, n'est-ce pas? Franchement, on commence à faire chier sur ces détails. Hein. Vraiment original, les plus animés. La Star of Fire. Ok, la voix est grande. Quand t'as bien, choisis une héroïne, elle a intérêt, elle est touchée. Je ne supporte pas la comparer. Personnage, mais non moins forte et féministe. La faute à des péripéties peu palpitantes. Des épisodes trop longs, la malédiction. Des épisodes trop longs. Ça, c'est un truc qui m'a fait rire là dernièrement. J'ai vu qu'a priori, les gens trouvent que les saisons et les épisodes sont trop longs des séries Netflix. Des séries Netflix. Tu te fous de ma gueule, je trouve que les séries policières qui passent sur les chaînes normales sont beaucoup plus longues. Ou franchement, des fois, t'en oublies qu'il y a un fil rouge dans le truc. Hein, je les trouve trop longs alors qu'ils font que 40 minutes. Les séries Netflix, ça fait 50 minutes ou une heure, mais j'ai jamais trouvé vraiment trop long. Des fois même, je trouve que c'est trop court. Je trouvais que, par exemple, les Défenseurs, c'était un peu trop court, hein, les 8 épisodes. Même Cloak & Dagger, bon, là, c'était plus du 40 minutes, hein, vu que c'est pas Netflix, mais j'ai trouvé trop court le fait que ça soit 10 épisodes. Hein. Après, des fois, s'il y a une sensation de trop long, c'est peut-être pas parce que il y a autant d'épisodes, de trucs comme ça, c'est peut-être parce que l'intrigue qu'ils ont choisie n'arrive pas à durer autant de temps, mais là, je pense que... Voilà, là c'est vrai que peut-être des fois il aurait fallu plus court, mais c'est parce que c'est l'intrigue qu'ils ont voulu étaler ou ils n'arrivent même pas à tenir. Mais il y a d'autres intrigues où je trouve ça réussit bien. Daredevil saison 2 par exemple, ou même Punisher, ça faisait 13 épisodes, on est d'accord, je crois. Hein, mais à aucun moment j'ai trouvé que c'était trop long un truc. Hein, les 13 épisodes de 50 minutes, 1 heure, faut pas abuser, je trouve. C'est. Je sais pas s'ils ont fumé. Ce qu'ils fument. Après, peut-être qu'ils font référence à d'autres séries, mais tout, mais j'aime pas mettre la généralité, parce que maintenant, ils vont, à généraliser, ils vont tout réduire à 10 épisodes, et limite, il y a des séries où ça va moins bien passer, je trouve. Ah oui, putain, ce niveau, il faut protéger Strange. Ah bah ça va, on va les dégommer, hein, les ennemis. Allez, on défonce Cable. Défonce son Cable, ouais. Bon bah voilà. C'est fini Strange. T'as,
Strange, il a à peine eu le temps de faire le début de sa magie qu'on a déjà tout éliminé. Il fait bon, bah ok. Pourquoi pas hein. Strange, je l'ai toujours pas débloqué, vous aurez remarqué. Hein. Ceux techniquement que je voudrais débloquer, c'est la scientifique suprême et Strange. Je crois que c'est les ceux que je veux le plus. Et bon, il y a aussi Thanos, mais Thanos, c'est pas près d'arriver. Il y a plus de chances que je débloque la scientifique suprême et Strange que de débloquer Thanos. Hein, parce que Thanos, il n'y a qu'un seul moyen de le débloquer et ils veulent pas te le donner, hein, ils veulent plus. Il y avait que la première fois qu'a priori c'était faisable et c'est pour ça qu'il y a plusieurs que je connais qui ont réussi à l'avoir, mais. Voilà, mais là ça va pas vouloir. Mammouth il fait hein, dans la première photo que j'ai vue. Ouais, Nicky Larson, franchement. J'essaye d'y croire un peu, même si j'ai quand même mes méfiances, mais j'essaye d'y croire et je me dis, ce sera peut-être le miracle, un divin qui sera écrit dans le Necronomicon, comme quoi ça a réussi à vaincre la malédiction, c'est peut-être l'élu des adaptations. Ouais, parce que les adaptations de merde, les Américains et les Français, ils aiment bien se le partager, hein, parce que entre l'adaptation là de Death Note et de Dragon Ball aux États-Unis, hein. Et en France, alors c'était pas du truc japonais, mais ça reste de l'adaptation live quand même, hein, Gaston, Boulet Bill, j'ai pas vu, a priori, ça peut peut-être passer de ce que j'ai vu, il faudrait que je vois. Donc Gaston, après, c'est pourri. Spiro Fantasio, que je suis pas fan, mais même ça, a priori, ils ont pas respecté par rapport au matériau de base, hein, que ce soit les personnages et l'histoire, et encore si c'était juste du non-respect, a priori l'histoire est pourrie, il n'y a même pas d'action, alors que c'est censé être de l'action-aventure à un moment donné quand même, hein. Tu prends James Bond, t'en fais pas une comédie musicale, ou tu le dis clairement alors, hein, tu vantes pas un truc proche des BD, tu sais, un truc action-aventure, si ça va pas être le cas, hein, au pire tu dis clairement, ah ce sera en mode comédie musicale, et là... au moins, c'est pas mensonger. Ah, Mammouth, il a une grosse moumoute, le Mammouth. Putain, il a mis Bozu. Après, moi, je me dis, j'espère quand même qu'ils arriveront à... Parce qu'il est... Le réalisateur a dit que son but, c'est quand même de corréler la comédie et le côté sérieux, comme, on va dire, dans l'animé original. Un peu le manga aussi, tu vois. Tout en reprenant les noms de l'adaptation du mode français. Bah, je sais pas, il y en a certains qui disent, mais après, ils se basent sur de, on aurait dit, mais de ce que j'ai vu de la bouche du réal en lui-même, c'est ce qu'il va faire. Bien que d'autres disent qu'il va faire juste une adaptation du truc français, mais ça, j'ai pas entendu de sa bouche lui-même, donc, hein, dans les interviews que j'ai vues. Non, je sais pas. Je sais juste que le nom sera référence, leur nom, mais c'est logique parce que là, ce sera en France. Donc c'est... Voilà. J'espère qu'ils respecteront le passé militaire de Ryo Saiba. S'il y a un passé militaire, qui est justifié. Même s'ils le font en mode détective privé, hein, à l'heure actuelle, et pas en tueur. Hein. Voilà. J'espère qu'ils respecteront au moins le passé militaire. Bon, Umibozu, au moins, il a son bazooka. C'est déjà ça de prix. Espérons qu'il y ait au moins du comédie de l'action dans ce comédie. Parce que c'est vrai que même la folle aventure de Max et Léon, que j'ai beaucoup aimé, il n'y avait pas tant d'action que ça, mais au moins il y en avait un peu quand même, bien plus que la plupart de ceux qui s'adaptent d'un truc à l'action. Là, ça adaptait de rien, il y avait quand même des bons moments d'action. Là, il faut espérer qu'il y ait de l'action, parce que c'est quand même... Alors, City Hunter, hein. Enfin, Nicky Larson. D'ailleurs, ça m'avait fait rire avec la VF quand même. Changer le nom original pour mettre le nom du personnage. Voilà, c'est. Parce que le nom original de la série, c'est City Hunter, c'est pas Ryo Saiba. Voilà, ils ont mis Nicky Larson. Je sais pas. Chasseur de ville. Voilà, ça sonnait pas bien. City Hunter, à chaque fois, ça me fait penser un peu à Predator 2. Le bon film, un peu nanardesque et tout, ouais, tu vois. Non? Oh, mais si, quand même. Eh, Blanc, ça va? Oui, ça va, oui. Ah bah, ça va bien.
Umibodzu. Umibodzu, je crois que c'est plus une baleine ou un cachalot ou une connerie comme ça, je crois. Bon, un mammouth, ça correspond bien, c'est vrai. c'est gros. C'est pas aussi gros. Il a que des noms, quand même. Je trouve, entre mammouth... Même Umibodzu, de base, je trouve ça... cachalot ou baleine, ça fait... ça fait penser un peu à... Ah putain, comment ça s'appelait? Oh putain, avec baleine. Oh, le film de guerre, Vietnam. Ah, je pense que vous voyez de celui dont je veux parler. Où baleine, il pète un câble. Ah putain. J'éviterai de bouffer ça. Oui, arrêtez vos conneries de blagues à la con. Tuez les Hydra. Full Metal Jacket. Voilà, c'est ça. Et pas Full Metal Alchemist. Ce serait bizarre, là. Je sais qu'il y a le frère qui est un peu gros dans son armure, mais là, ce serait bizarre, quoi. Je dis ça, hein. Je dis rien. Alors, comment va le mammouth? Mon Dieu. Ça va, tant qu'on le fait pas appeler Eric Cartman, ça tout passe. tout passe. On a une sacrée équipe. Alors je vous laisse deviner qu'à la fin on aura le duo avec Scarlet Witch. Voilà. Ouais, ils ont décidé de le faire. Je pense pas qu'on aura une campagne avec les deux comme ce qu'on avait eu avec Ant-Man et la Guêpe, tu sais, pour réunir bien les deux. Je vous les filmerai toutes, hein, ce genre de campagne. Par rapport aux événements, c'est légendaires et tout, comme ceux de, tu sais, de la paix des mercenaires, où c'est pas sûr que je vous... Les mercenaires, c'est parce que je vous avais filmé le début, mais d'autres, c'est pas sûr que je vous les filme, hein. Parce que c'est pas très intéressant. Et surtout qu'en plus, c'est loin d'être sûr que je les termine un jour, quoi. C'est. Vu que les mercenaires, c'est pas ma priorité à augmenter, quoi. À améliorer. Là, j'améliore mon équipe secondaire. En plus de mon équipe principale. Et ça la pète grave. On a des gros biscottos, c'est trop classe. L'endroit où on voit la photo là avec Umibodzu, ça me fait penser un peu au centre d'entraînement, tu vois, de 47, tu sais, dans le début de Hitman, voilà, TM. Ça me fait penser à ça. Allez, la dernière, allez, c'est parti, une petite bière et puis c'est tout. Allez. Et après ça, on verra si je vous ferai encore d'autres choses pour cette vidéo. Si c'est pas qu'un écran noir, voilà. Scarlet Witch est attaqué par des esprits. Frappeurs, allons casser du fantôme. What the fuck? Tu vas manger la poussière? Des fantômes? What? What? What the fuck? Blanc, tu m'avais pas prévenu qu'il allait y avoir des fantômes? Je pensais que t'étais mon ami, Blanc! Non, je ne suis pas ton ami. Je suis un sale ami. J'aime bien cette vanne. Ouais, je verrai si j'ai le temps de vous faire autre chose. Je pense pas que j'aurai le temps de vous faire un truc de campagne, mais on verra. Hein. Ouais, parce que comme je m'étais foiré, hein, dans les autres trucs, essayer de faire les trucs de campagne, ma précédente vidéo, où j'ai perdu, tu vois, les trucs comme ça. C'est pour ça que j'améliore aussi un peu mes teams, hein, mes deux équipes principales, pour essayer d'y passer, hein, d'y réussir. Mais il me faudra des protecteurs, c'est ça qui me manque. Hein. Bon, le Nexus, je pense que je pourrais le faire avec plusieurs protecteurs. Le dernier truc. Mais les autres, ça va être chaud. Et c'est pour le Nexus, hein, qu'il fallait aussi un protecteur, normalement. Je sais plus, je crois qu'il y en a un où je m'étais fait défoncer, mais il n'y avait pas nécessairement besoin d'un protecteur. Mais je sais plus lequel c'est. Faudrait que je revoie la vidéo. Voilà. Les tireurs et les conneurs affligent des dégâts importantes. Ah, la fameuse forêt. Qui était présente, ouais, dans Scarlet Witch. Ouais. Ça, c'est des fantômes. Putain, on m'a vendu du rêve. Je suis déçu. Je suis très déçu, hein. Esprit, je mettrai 0 sur 20 sur TripAdvisor. Parce qu'à un moment donné... Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas demandé le chat! Voilà, putain, j'ai pas demandé le chat! À quel moment j'ai appuyé ici? À quel moment? Hein? Parce que l'icône du chat, il est là. Elle est là. À quel moment j'ai appuyé là? Vous avez fumé, quoi!
Bon alors, normalement on devrait ouais, très bien s'en sortir, hein. Faut pas déconner à un moment donné. Ah, bonjour Thanos. T'allais faire un petit tour au trône? Non, bon, par contre, on arrête les conneries. C'est Loki qu'il faut puter, putain de merde. Bon, bah, trop tard. Bande de cons! C'est Loki, Loki doll. Vive Loki doll. Bon, l'IA est un peu conne, hein, des fois, je dois vous l'avouer, c'est clair. Allez, pas de panique à bord, Scarlet Witch va mourir. Ouais, ouais, là faut protéger. C'est pour ça que j'avais perdu. C'est pour ça que vous voyez que c'était pas terminé, parce que je l'avais pas réussi en normal, parce qu'elle était morte. Et comme il me faut des personnages de ville, j'ai pas forcément de protecteur. C'est ça le problème, c'est quand tu restreins trop, bah, il reste plus beaucoup de protecteurs en fait. Parce qu'ils sont tous gentils et la plupart de mondial. Alors vas-y. Ouais, gentil. C'est-à-dire que quand c'est des trucs super vilains, c'est la merde. Vous voyez, comme dans l'autre truc, c'était ça, c'était la merde. Voilà, parce que c'était des super vilains. Oh, ça m'aurait fait équipe. Oh, elle est moche. Avec ses doigts et tout. Ah, je suis pas fan du perso, là. Hein. Un kit. Quitte en personnage femme, je préfère fan, je veux dire, c'est Squirrel Girl que je préfère, qui a aussi un côté fan. De base, mais... Bien que sur beaucoup de dessins, elle est moche aussi. Hein. Je sais pas ce qui... C'est... Je veux dire... Mais même ceux qui sont censés être beaux, beaux gosses, Tony Stark aussi, des fois, dans leur aventure, comme le truc que j'avais, ils sont moches. Hein. C'est... What? C'est quoi ce dessin? Je demande pas que ça soit un canon, que ça soit un truc, mais voilà. Mais quand même les personnages censés être beaux, tu sais, dans les trucs sont plutôt moches, tu remets en question la qualité de destin du truc, parce que tu te poses des questions, hein. Parce que Tony Stark est censé être beau gosse. Ouais, ça y est, je sais sur quel vaisseau ils ont atterri, les convertisseurs. Eh oui, j'ai enfin réussi le fameux combat. Là, ça allait bien plus rapidement, en fait. Hein. J'ai même réussi à garder mon équipe en entier. Ouais, j'ai même 3 étoiles. Ouais, c'est cool. On sait où Ultimus cache son convertisseur. Allons le convertir. C'est en cours. L'unité de Unit est en route. C'est une plaisanterie. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a pris de me faire de m'allier avec vous, bande de cons? Allez, c'est parti, mon kiki. Bon. Alors, déjà, grande nouvelle, bonne nouvelle, il y aura assez prochainement la critique sur Infinity War, puisqu'on l'a vu. Ah, donc, je tiens voilà, à préciser. J'espère que ça vous plaira, la petite critique sur Infinity War. Et je vais laisser le suspense, donc je vous dis pas tout de suite qu'est-ce qu'on en a pensé, mais en tout cas, je vous laisse le suspense. Bon, je mets en automatique, on va voir s'ils s'en sortent, et sinon au pire je le ferai en moi. Ouais, et encore je préfère faire en moi, allez, on va faire à l'ancienne, ça va être moi qui vais faire, allez vas-y. Donc là, on va d'abord, voilà, quand même, notre but c'est d'avoir Ronan, là. Parce que Ronan, il est chiant, c'est Ronan le chianteur, donc qui reviendra dans Captain America, Ronan, hein. Pour de mauvaises aventures, il revient, ouais. Voici. Moi, comment je te les enchaîne. Allez, 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 allez. Paf. Ouais, toi. Papapam. Hop, direct. Et hop, là. Mais putain, c'est quoi cette meuf? Elle était plus résistante que Korat, quoi. Faut le sortir d'ici vivant. Ouais, oui, aussi, ouais. Eh ben, ce fut du rapide, hein. Il faut protéger l'agent pendant l'accès aux données. Ouais, ça devrait aller, il n'a jamais réussi à nous arrêter. C'est son individu qui veille sa machine de génie. J'espère qu'on va s'en sortir. Sinon, j'essaierai la technique de mettre Drax et notre soigneuse, là, l'autre soigneuse, l'infirmière de nuit, dans le groupe. On verra bien. Ouais, je testerai deux techniques au pire. Et on va peut-être enfin terminer
ce Nexus 6. non, le Nexus, donc... Bah si, c'est le Nexus 6, je crois. En plus, c'est la blague. Nexus 6. Ouais, je vais vérifier si c'est le Nexus 6. Ben, je sais déjà quel sera le titre de la vidéo. Par contre, c'est vrai que putain, il y a beaucoup de... Donc, faut protéger l'agent. Voilà, donc... moi, je vais faire en manuel, là, parce que... je m'appelle Manuel, là. Et c'est pour être sûr. Oh, bah, ça va, on a un Hulk dans l'équipe. Nous aussi, on a Hulk. Ah, oh, bah, ça va, niveau défenseur. Après, si ça foire, je mets Drax, mais alors, ça veut dire qu'on en aurait trois. Et là, franchement, si on n'y arrive pas, c'est que... c'est bizarre, hein. Chargement 25%. Le but, c'est de tenir 4 étapes, hein, donc de toute façon... on va voir si on y arrive. Bon, déjà, je vais soigner, voilà. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Pam, voilà. Bon, là, par contre, il y a un peu trop de Hulk, donc il y en a qui vont dégager, là. Mais ça va être tranquille. Bonjour madame. Pourquoi tu fais pas tous les trucs d'un coup, madame? Tu sais, appuyer 4 fois sur le truc, parce que visiblement ça a l'air simple, hein, de faire ce téléchargement de merde. Hein. Non? Y'a que moi qui pense ou putain? Parce que franchement, comme j'ai dit, ça a l'air simple, hein, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. 4 fois, en plus. Je préfère le faire ici, ouais, c'est vrai. Cyborg cri, voilà, dégage. Ouais, provocation. Wesh. Allez, normalement, on devrait s'en sortir. Bon, c'est clair que sur ce coup-là, on va pas tous les dégommer, hein. Ouais, c'est bon, elle va survivre, hein. Et... heureusement qu'ils nous ont mis Hulk. Ils nous auraient pas mis Hulk, ça aurait été peut-être un peu plus chaud, je dois vous avouer. Oula. Oula. Non, 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 arrête les conneries. Sinon, vraiment, je mets Drax. Hein. C'est la menace. Et regardez. Et puis là, le téléchargement, il est terminé. Ouais, on a gagné. Ouais, j'ai mis Hulk, Drax, j'ai mis vraiment la Team Rocket, hein, du game. Je vous envoie une capsule d'évacuation. Tenez bon, bande de cons. C'est facile à dire, connard. Tu n'as pas la moitié de l'armée cri aux fesses. Ah oui, mais moi, j'ai mon petit DLC, là. C'est le mec, vraiment. Bon, défendez l'agent jusqu'à la... faut encore défendre quelqu'un, mais merde, fallait le dire. Non, parce que je me fie plus à leur titre. Non, mais t'as vu leur titre mensonger. Défendez ma femme et des trucs. Alors qu'en fait, du toute la mission, faut pas défendre. Et là, je suis sûr que limite, c'est même pas marqué. Mais en fait, faut défendre encore. Putain, mais j'en ai marre de ces missions, il faut défendre. Une étape 1. Ah, mais il y a qu'un ennemi. Il y a que Ultimus. Ah, c'est la première fois qu'on l'affronte, hein, lui, hein. D'accord. D'accord, c'est donc comme ça qu'on l'a joué. What? Mais c'est impossible. À moins que... non, si c'est possible. Mais il faut avoir 4 protecteurs. Comme ça, il en attaque 4. Il faut juste pas qu'il attaque l'agent. Ça pourrait être possible. Est attaqué. Manœuvre d'évacuation en cours. Tape-toi, s'il te plaît. Putain, Ultimus, il est trop puissant, là. Ouais, c'est vrai. Ouf, c'est bon, il a pas attaqué la meuf. Oh putain, destination en route. Putain, il restait juste mon ensorceleuse, merde.
Bon, celle-là, je la ferai pas en 3, hein. Tu peux crever, hein. À un moment donné, faut arrêter les conneries, hein. Je la ferai jamais en 3. T'as vu à quel point elle était dure, celle-là? Putain, mais Ultimus, il était chaud, voilà. Ah, je comprends mieux que personne n'ait réussi à le battre, hein. Mais même Hulk, il le galérerait, même Thanos. Franchement, bon, bah voilà. Ah non, c'était Nexus 5. Hein. Nexus 6, ce sera pour une prochaine fois. Moi, je garde le titre de côté, donc. Mais c'était rigolo, on va dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et regardez encore les événements de merde qu'on a. Alors, attendez, mais... Franchement... Alors, entre l'élastique et la sorcellerie, où en fait... voilà, Miss Marvel fait équipe avec Scarlet Witch, mais comme vous pouvez le voir, je pourrais pas le faire pour la simple et bonne raison qu'il faut 3 étoiles, que j'ai pas pour ces personnages et que c'est pas vraiment des personnages où je vais chercher à débloquer 3 étoiles. Voilà. Mais alors le pire, c'est Nick Fury. Voilà. Donc après, voilà. Où il faut que des servants cri. Je crois que c'est... Voilà, attends. Si tu te cliques, voilà, 5 serviteurs cri. Faut même pas genre Ronan et compagnie, hein, même pas, c'est juste des serviteurs. Ouais, bonjour le paye l'utilité. Allez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, au revoir les gens.